C'est un échantillon de promoteurs de 15 établissements privés de l'enseignement supérieur de Pointe-Noire qui a pris part à la séance de travail initiée par la ministre de l'enseignement supérieur, Edith Delphine Emmanuel. D'entrée de jeu, la ministre a évoqué l'intérêt de cette rencontre qui est de nouer les liens directs avec les promoteurs de ces établissements avant d'inciter tous les acteurs présents à faire un bilan de ce sous-secteur depuis sa libéralisation en 1991. Ensuite, Edith Delphine Emmanuel a écouté successivement les responsables des établissements représentés qui ne se sont pas empêchés d'évoquer les difficultés rencontrées dans ce secteur. Consciente de ces réalités, la ministre de l'Enseignement supérieur a renchéri en ces termes. Concernant l'échange que nous venons d'avoir, j'ai pu identifier une série de problèmes qui se posent et auxquels nous allons tenter seuls ou avec certains de mes collègues membres du gouvernement, nous allons tenter d'apporter des réponses. Je constate que la question de l'ouverture des masters revient. Nous allons l'examiner parce qu'il s'agit pour vous d'aller au-delà de la licence et de pouvoir continuer à former vos étudiants. Mais je le disais d'entrée de jeu, encore faut-il que les conditions soient réunies pour l'ouverture des masters. Aussi a-t-elle mis en garde les promoteurs d'établissements d'enseignement supérieur véreux qui s'implantent sans suivre la procédure en vigueur. Il y a la question de l'ouverture anarchique d'établissements. La réglementation est connue. Il y a même un adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi. Si on veut être promoteur, l'on fait de telle sorte que l'investissement que l'on entend réaliser s'effectue dans le respect de la réglementation. Parce que si l'on ouvrait un établissement d'enseignement supérieur sans avoir obtenu l'agrément d'ouverture, il n'y aura pas d'agrément. Notons que ce séjour de travail de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique se poursuivra jusqu'au vendredi prochain avec, à la clé, rencontrer les responsables des sociétés pétrolières Eni et Total, puis visiter les centres de recherche.